L'objectif principal visé par le village de la science est d'éveiller la conscience de notre jeunesse pour susciter un engouement pour les sciences, les technologies et l'ingénierie afin de les intégrer dans le développement économique et social. Au 21e siècle, les sciences sont la clé du développement. Rien ne se perd, rien ne se crée, tu sais, ça se transforme, n'est-ce pas? D'habitude, ce sont des choses que je voyais à la télévision, mais maintenant, j'ai l'occasion de les voir en face. Si vous faites le cas, je j'ai découvert que vraiment le Niger est plein de gens talentueux qui peuvent changer ce pays à travers la science. On veut inciter les jeunes Nigériens à s'intéresser au domaine des sciences et au-delà, on voudrait aussi saisir cette opportunité pour avoir des échanges intéressants, novateurs avec nos pairs étudiants dans les diverses universités du Niger, dont ici à Niamey et à Zindeb. Le seul conseil le plus important que je peux donner à mes petits frères et à mes grands frères, c'est-à-dire, c'est vraiment de s'intéresser à ce domaine et de faire tout, même si c'est leurs enfants, de les pousser à intervenir dans ce domaine afin de rendre surtout l'Afrique et le Niger en particulier vraiment un pays où il fait bon vivre.